Imua i te mōm EF atupuhia e te tirotiro o te whea paruparuia te ro ohia nohia i te mau ati whino te ia mōm e. Tā mau i te paruruvha, ia here atu oe e wharere i te ia whea, e af atura mai tei i te maurari a paruru, mai te mea te pieho oe ia rato. Tā mā mai tei narima i te mau hora atoa, toru ohuru te toni i te mauru, whaatura i te atear a hoi metera e o rato, i roto i te utuawhere, e i rapai mai te utuawhere. Mā i te mau wahai puvaiwai, a tā mā pinepine i te mau wahai e amuiai te utuawhere, whaatupu i te mau wharere a fufa, aitai rapi a e atu, whaaiti te mau tere na rapi, hi ora, a haere i te whare toa no rato. Te ora ara oi pia iso i te whea paruparu, e mea fufa i a hapi i te ia mau ravi a paruru, ara, ia wha ohipahi a te reira. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable au Fénois. Afin de faire notre part pour limiter la propagation de la COVID-19, nous pratiquons les gestes barrières et la distanciation sociale. Et respectez bien les consignes données par les autorités du Fénois et surtout, faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. A tout de suite, juste après le générique, on parle d'utiliser notre super pouvoir. Nous avons été nombreux à nous réjouir du vote à l'unanimité des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française de la loi du pays interdisant les sacs plastiques à usage unique aux Fénois. Une joie de courte durée, tant la ruse de certains pour contourner les lois et règlements apparaît parfois comme extraordinaire. En France, déjà, l'interdiction des couverts en plastique à usage unique avait fait apparaître par enchantement des couverts en plastique réutilisables. Les mêmes, sans aucune modification de texture, le seul changement notable étant le sachet, en plastique lui aussi, faisant apparaître en gros, gras et italique le mot magique « réutilisable ». Et c'est tout de même avec une certaine admiration que l'on voit désormais apparaître dans certains magasins du Fénois des sacs plastiques de plus de 50 microns, plus épais, donc plus résistants et donc plus réutilisables. Le mot magique qui réussira à couvrir pour un temps certain la fourberie de nos scapins. Mais malheureusement pour ceux-ci, la seule chose dont nous soyons sûrs, c'est qu'ils ont raté le coche. Aujourd'hui, de nombreux produits sont conçus pour être jetés dès la première utilisation. Ce sont tous les produits à usage unique pour lesquels nous avons une véritable addiction. Cela va des sacs aux rasoirs, des lingettes aux couches, des bouteilles aux compotes. Et aujourd'hui, avec la crise sanitaire mondiale, un nouveau déchet a fait son apparition. Et malheureusement, grâce à notre cher capitalisme, les produits qui autrefois devaient durer dans le temps sont désormais conçus pour tomber en panne après un certain temps d'utilisation. C'est l'obsolescence programmée. Comment booster les ventes de nos produits? C'est très simple. Faites en sorte que les consommateurs aient besoin de les renouveler régulièrement. Plusieurs techniques existent. Par exemple, l'obsolescence psychologique. Créez un effet de mode autour de la dernière version de votre appareil. Grâce au marketing, au design, faites en sorte que les gens se sentent un peu honteux de ne pas avoir votre tout dernier produit. Autre technique, l'obsolescence programmée. Veillez à ce qu'une pièce lâche après un certain nombre d'utilisations. Prenez exemple sur cet ingénieux fabricant d'écrans plats qui a placé le condensateur très près d'une source de chaleur pour qu'il s'use plus vite. Faites en sorte que le bon condensateur soit introuvable en pièces détachées ou mieux, soudez-le à la carte mère pour qu'il soit impossible de le remplacer. Grâce à ces techniques, tout le monde est gagnant. Vous, bien sûr, mais vous faites aussi tourner toute l'économie. Vous créez de l'emploi et en plus le consommateur est heureux d'avoir un nouveau produit. Oui, c'est comme ça. On ne peut pas faire grand-chose contre les grandes entreprises. C'est malheureusement la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. En êtes-vous sûr? Serait-ce la seule option possible, la résignation sans possibilité d'action?
Les créateurs de la plateforme eboycott.org pensent que le boycott bienveillant peut amener les consommateurs à influencer les entreprises de manière positive et bienveillante et à leur permettre d'améliorer leurs pratiques. C'est ça l'engagement consommateur. Vous commencez à prendre conscience du pouvoir de votre portefeuille ? Vous connaissez bien évidemment le recyclage. On en parle régulièrement sur cette antenne et surtout, le syndicat Fenouama en fait la promotion depuis 20 ans. Mais aujourd'hui, on va parler d'upcycling ou de recyclage par le haut. En un mot, le recyclage plus plus. On en parle tout de suite avec Vaya Dang de Concrètement Design. Très honnêtement, au début, j'ai commencé par vouloir faire des pots en béton. Ce que j'aimais bien, c'est que c'était super salissant, c'était lourd, fatigant. Et du coup, c'était comme une énorme séance de crossfit. Tu vois, je finissais la journée bien fatiguée et du coup, je ne réfléchissais plus. C'est vraiment ce que je cherchais. Au fur et à mesure, en fait, je me suis dit qu'en mélangeant le béton avec d'autres matériaux, ça pouvait faire des trucs un peu sympas. Et voilà, j'ai commencé mes recherches comme ça. Mais vraiment, aucun bagage artistique. Donc, il faut décomplexer les gens par rapport à ça. Et assez vite, du coup, je me suis mise à fabriquer des lampes. Les lampes, en fait, ça a l'avantage d'avoir un résultat très rapide. C'est-à-dire que tu branches ta lampe, tu fais ton truc comme ça, là. Et puis au moment où tu branches, soit tu fais sauter les plombs, soit tu fais pas sauter les plombs. Donc moi, au début, ça a beaucoup sauté parce que j'avais des courts-circuits, je comprenais rien, tu vois. Et puis un jour, t'en as une qui fonctionne, qui s'allume. Et c'est comme ça que, en fait, bah, j'ai progressé, je me suis autorisée à expérimenter plus de choses, à me dire, OK, bah, maintenant je vais faire une étagère. Donc la première étagère, bah, tu poses un truc dessus, elle tombe. Elle se fracasse parce que t'es pas Ikea. Mais c'est pas grave, en fait. Vraiment, c'est ça qui est, je trouve, hyper intéressant. C'est cette liberté. En quittant mon job, qui était la sécurité même, hein, le fonctionnaire qui a un cadre préétabli, une hiérarchie préétablie. Là, moi, j'étais en train de jouer toute la journée et ça a été vraiment une période très, très riche et très épanouissante. Cette semaine, dans notre série Zoom Sur, voilà ce qui arrive lorsqu'on est trop paresseux pour jeter nos déchets dans la poubelle. Et pour terminer notre JT vert, je vous propose de découvrir un chien spécial. Disparu depuis 50 ans, le chien chanteur de Nouvelle-Guinée aurait été retrouvé à l'état sauvage dans une province indonésienne en Nouvelle-Guinée occidentale. Aussi connu sous le nom de dingo de Nouvelle-Guinée, on en compte plus que 200 spécimens vivant en captivité. C'est notre coup de cœur de la semaine. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que sur les réseaux sociaux du JT Vert. Faites attention à vous et à tous ceux que vous aimez. Restez prudents. À dimanche prochain sur TNTV. Au revoir. Prochainement dans le JT Vert, partons découvrir notre océan. Dimanche prochain, nous vous proposons de partir en voyage à la rencontre des espèces étranges du monde sous-marin. C'est notre garde-manger, notre lieu de vie, notre passé, notre présent et surtout notre futur. C'est dimanche prochain dans le JT Vert.